Au bout de ta langue, c'est un spectacle d'humour debout et de poésie drette. Une respiration en deux temps. On plonge au cœur des grands poèmes qui ont marqué la littérature québécoise, puis on remonte pour en discuter. Comment moi je les ai découverts, comment ces poèmes-là ont été écrits, comment ils ont marqué ma vie, peut-être qu'ils ont marqué la vôtre, comment ils nous font vibrer, comment ils nous font rire. La poésie, ça sert à ça aussi. Donc c'est une rencontre autour des mots d'ici, mes mots, leurs mots, peut-être même vos mots à vous. J'en appelle à la poésie, par le territoire à choisir et inventer de Miron, à celui occupé des premières dernières nations. Y a pas qu'à Annie Cooney, tu sais, qu'il y ait des poétesses en résidence dans chaque résidence pour personnes âgées, que l'on jumelle chaque analphabète à un poète et qu'on les paye pour réinvestir les mots, qu'ils peignent de grandes pancartes devant les hôpitaux psychiatriques. Entrez voir nos spéciaux. J'en appelle à la poésie et j'espère que vous me répondrez.